écoutez Koé, c'est bien, le voir, c'est mieux. Allô, Max ? C'est qui ? Bertrand, ça va ? Ouais, je peux bien, ouais, ça va et toi ? Écoute, voilà, et vas-y, je me lance, parce que là, ça fait une semaine que j'en peux plus, là, écoute, mec, écoute, j'ai baisé ta meuf, quoi. T'as baisé ma meuf ? Je ne te crois absolument pas, Bertrand. Je te fais trop confiance pour ça. J'ai baisé ta meuf. Alors, franchement, Bertrand, je veux te dire un truc, si c'est vrai, tu me déçois beaucoup. Parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps que tu l'as baisé ? Ouais, mais écoute, voilà, faut que tu saches que Chloé, elle reste avec toi par habitude, quoi, mais... Non, mais attends, par contre, là, tu vas te calmer. Mais tu sais ce qu'elle veut ? Parce que... Non, tu sais attends. Ce qu'elle veut, en fait ? Non, je veux te dire ce qu'elle veut. Elle reste avec toi par habitude, mais elle veut ma teub, quoi. Désolé de te le dire, mon gars, c'est comme ça, quoi. Elle m'a dit que t'étais monté comme un craquiboule et voilà quoi. Monté comme un craquiboule. Non mais de quoi tu me parles, le mec, t'as vu ta bite toi ? Bah écoute, apparemment je suis monté comme un cheval quoi par rapport à toi, donc voilà quoi. Oh putain, non mais attends Bertrand, tu me fais une blague là ? Non écoute, je fais pas de blague, c'est pour ça que je veux que tu t'arrêtes quoi et que tu te mets pas bagnole quoi. On va régler ça tout de suite là, tu vas m'expliquer le pourquoi du comment parce que là j'ai un peu du mal à comprendre quand même. Bah écoute, y a pas de souci quoi. Si tu crois que, quand on va se faire des restos, ça arrive. Je te rappelle une fois, t'étais au boulot le soir là, t'étais d'astreinte, l'autre coup là, au boulot là, t'étais bloqué. Et voilà, on est parti se faire un resto, voilà. Allez faire un resto avec ma meuf. Comme ça, sans pression, tranquille. Tu vas faire un resto avec ma meuf sans pression, tranquille comme ça. Écoute, c'est. Et sans me le dire, attends, mais t'énerve pas, je te dis, c'est. T'énerve pas, mais là, t'es au courant, tu m'as dit, vas-y avec, au lieu qu'elle soit toute seule, t'étais inquiet, au lieu qu'elle soit toute seule chez vous, voilà. Donc voilà, faut que tu saches que quand on va se faire des restos, ben souvent on couche ensemble aussi, quoi. Mais t'es sérieux, en plus, t'es arrivé plusieurs fois. Le mardi soir, elle est pas à l'aquagym, mon gars, hein. Mardi soir, elle est pas à l'aquagym, t'as jamais remarqué qu'elle rentrait avec les cheveux secs, elle a pas les cheveux mouillés. Eh Bertrand, tu sais quoi ? T'as pas compris quoi ? Tu sais quoi Bertrand, je vais venir chez toi là, on va régler ça tout de suite là. Attends, tu me laisses parler. J'en ai rien à foutre, tu me laisses parler. Là, ce que je suis en train de faire, je viens de faire demi-tour, je vais retourner chez... Putain de ta race. Alors là mon gars, ça va chier des buts, je te le dis, j'ai un tas de problèmes, maintenant je t'ai déballé les choses, tu viens en face et puis voilà, on parlera en face. Déballer ta gueule par terre mon gars, je vais t'étriper, tu vas oh là là, tu vas jamais t'en remettre. En même temps, t'as vu ton look de merde, il y a des fois tu fais pitié quoi. Mais je t'emmerde, espèce de connard, mon look de quoi ? De quoi tu me parles ? T'as vu qu'un look payé ? T'es vraiment un plouc quoi, quand tu veux t'arriver au boulot, Tu la sors même pas, là, écoute. Je peux te dire, je vais débarquer chez toi, je vais tout l'expliquer, mon gars. Oh là là, elle va te virer, tu vas jamais dormir. Vas-y, débarque, de toute façon, je suis tout seul, tu peux venir, y'a pas de soucis. Quoi. Mon gars, je te jure, putain de ta mère. Oh là là, tu vas me faire quoi ? T'es taillé comme un coton-tige, t'es un vrai plouc, tu peux même pas bouger, t'as de la boîte dans les bottes, quoi. La gonflette qui fait, le gars, l'autre, il passe sa journée dans sa télé. Avec ton tracteur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Putain, vas-y, débarque, je peux même pas t'expliquer, quoi, j'en ai gros sur la patate, et toi tu viens, et voilà, quoi. J'en ai gros sur la patate, quoi. Le mec, il baise ma meuf, il en a gros sur la patate, non mais il est sérieux, le gars, il se fout de ma gueule. Attends, on va s'expliquer, mais après on peut rester potes, hein. Moi je te kiffe, Max, tu sais, je fais kiffer ta meuf, en plus, donc... De toute façon, je vais te dire que tu seras dans le circuit, nickel, on pourra pas rester potes, j'en ai rien à foutre, j'irai pisser sur ta tombe, enculé. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah viens, bah débarque, Mais t'inquiète, là, je suis sur la route, là, je suis à 150, mon gars, je te jure. Là, tu vas jamais t'en remettre, je vais débarquer, je vais t'écraser. J'ai peur rien, écoute... Ouvre la porte du garage, parce que je te promets que sinon, je la défonce. Un garage est ouvert, tu sais très bien que ta maison est toujours ouverte pour toi, mon pote. Après, tu te dis mon pote ! Mais le mec, il baise ma meuf et il se dit mon pote ! Mais arrête ces conneries ! Putain, reste dans 10 secondes, je suis chez toi, mon gars, je te jure, là, tu vas jamais t'en remettre. Bah, débarque, on va t'expliquer, y'a pas de soucis, débarque, on va t'expliquer, y'a pas de problème, quoi. Et là, je suis en train de péter un plomb, j'ai même plus les mots, quoi, tellement chelou. Tu as bien baisé sa meuf. C'est toi qui arrives au loin, là, je te vois arriver, là, les feux, c'est toi. Oui, c'est moi, ouais. Enculé de taraf, putain, mon gars. Bah, écoute, débarque, après, moi, j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux, tu la satisfais pas, reste. T'as un plouc, tu sors même pas, quoi. Tu restes devant ta. Attends, tu restes sur ton canapé avec tes chaussons, tes babouches, quoi. Putain, je viens de shooter une poubelle, enculé de ta mère. Oh là là. Mais vas-y, débarque. Putain, mais vas-y, t'oublies la fois de... Tiens, hop. Putain, mais t'es grave, hein. Vas-y, casse la bagnole, t'as déjà cassé la mienne la semaine dernière. J'en ai rien à foutre, tu vas voir, mon gars, je vais te péter la gueule, je raccroche. Ouais. Putain. Il arrive ? Ouh là 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 là. Putain, là, mais
Il arrive ? Oui. Ah, vas-y, oui, je pense. Calme-toi, ouais. Quoi. Il est plus là. Attends, dis plus rien. Tu peux pas le. Allez, putain, arrête. Non, c'est pour déconner. C'était une blague. Mais enfin, c'est bien qu'il s'en prenne une quand même, parce qu'il a quand même baisé sa meuf pour deux. Ah oui, c'est vrai. Aïe. Ouais. Encore une petite, il mérite. On y est, on y est. C'est bon, on peut intervenir. Non, arrête le téléphone. Non, je pose pas le téléphone, putain. Téléphone, bâtard, putain. Tu vas me le péter, il est tout neuf, iPhone. Arrête la connerie, quoi. iPhone. Ouais, dis-lui que c'est une blague. Dis-lui qu'on est sur énergie. C'est bon, passe-lui le téléphone. C'est une blague, arrête tes conneries. Allô, passe-le-moi. Franchement, je te dis c'est une blague. Passe-le-moi. Tu m'en fais un coup de pute au bout. Passe-le-moi. Je vois qu'il a pas une hache, le gars. Oh là là. Passe-le-moi. C'est une blague. Mets-le au parleur ou passe-le-moi. Tu m'as défoncé l'arcade. Mets-le au parleur. Putain. Attends, écoute. Je vais voir ta femme. Allô. Je vais l'arcade. Écoute, une meuf en plus. Allô ? Ouais. Il a baisé ta meuf ? Arrête ! Non, c'est pas vrai. On est tous au courant, il a baisé ta meuf. Non, c'est pas vrai. Ouais, si c'est vrai, il a baisé ta meuf. Non, c'est une blague. Arrête. Sérieux. C'est au téléphone avec vous. Il a baisé ta meuf. Mais arrêtez, les gars. Tout Vesoul le sait.